Sylviane Goulva-Ouedraogo, je suis technicienne supérieure de tourisme d'hôtellerie, actuellement promotrice du restaurant Espace culturel Yelma. Je suis née à Abidjan, donc quand ils sont revenus au Burkina, j'ai pas mes études primaires à Côte. Quand ils sont revenus ici, j'étais un peu perdue parce que j'étais un Burkinabé. Et revenir, recommencer ici, bon, j'étais un peu perdue. Et j'ai toujours voulu avoir un regard plus personnel sur la culture. Savoir exactement voilà, d'où je viens, qu'est-ce qu'un Mossi, qu'est-ce que, voilà, plein de choses comme ça. Et donc, je me suis vite intéressée à la culture. Et moi, quand j'ai arrêté mes études, parce que, bon, pour des raisons familiales que je ne peux pas citer, et pour entrer dans le domaine du travail, je me suis intéressée à. J'avais un boulot, mais j'ai pas l'entrepreneuriat. Je me suis intéressée pour faire des concepts d'événementiel autour de la culture, c'est ça, l'amour de la culture. Voilà, elle est née comme ça, je faisais des membres surtout pour valoriser nos objets traditionnels africains, en l'occurrence burkinabé. Quand j'ai repris mes études à la haute école de tourisme et d'hôtellerie, là, je me suis basée là-dessus pour pouvoir m'orienter. En fait, par rapport à l'activité professionnelle que j'ai menée, je me suis basée pour m'orienter justement dans le tourisme qui donne l'opportunité de pouvoir développer tout ce que je voulais faire, pour me, voilà, me parfaire dans l'événementiel. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le tourisme. Au mot de la fin, je remercie le grand frère.bf qui donne l'opportunité aux jeunes de faire des recherches par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle. Je tire mon chapeau parce que voilà, c'est une belle idée. Voilà, parce qu'à notre temps, on n'avait pas tout ça. Donc, c'est des opportunités pour les jeunes de vraiment bien s'orienter, de bien réfléchir, de voir les parcours des différents grands-pères et grandes-sœurs pour pouvoir voilà, s'orienter correctement. Donc, vraiment, chapeau, félicitations et continuez comme ça. Pour plus d'informations, visitez le site legrandfrère.bf.